so blue, it could cry you a river, cry you a Kalevala, and cry you this song. And my fingers are so frozy, and they could snap like carrots, slap down the sun and make the night all day long. Yes, I gave you life, mortal maiden, but you will not be my missus. So tearing life from my flesh now is my one and only wish. But my hands have gone numb by the ice in your kisses. So the sea will be my bride. I'll lay me down with the fish. Ah, comme Antonin Artaud. Le 9 décembre 1945, Antonin Artaud écrit depuis Rodez à Henri Parizeau. Il dénonce les armées d'envoûteurs qui de toutes parts le guettent pour faire irruption en lui, camper dans son esprit, parasiter sa chair, se nourrir de sa vie. Il dit ce que c'est que de porter en soi une telle armée, d'être pour soi-même une terre fourmillante et désertée, de ne trouver à l'intérieur de soi que l'enfer des êtres, extérieur à soi, il dit, pire que la douleur, que l'éternel enfer, l'explosion de son véritable moi. Dans cette lettre du 9 décembre 1945, il délire, on peut appeler ça comme ça aussi. Il est Jésus mis en croix sur le Golgotha, puis jeté sur un tas de fumier. Il est le blasphémateur et l'évêque de Rodez, saint Antonin et Lucifer. Et dans les cahiers qu'il noircit cet hiver-là, il se proclame en outre père-mère, homme-femme, matière frénétique de tous les engendrements, matrice des filles innombrables. Son corps a pris les dimensions de l'univers entier, est devenu la terre d'élection des théogonies. Son esprit le fuit, mais ramasse en lui toute l'histoire de l'humanité. Il est le maître du réel. Le possible est ce dont il décide. L'infini lui obéit car, dit-il, le réel comprend pas. Il est le réel lui-même, sonore, débordant, pulsatile, qu'il soit aussi Antonin Artaud. Monsieur Antonin Artaud, né à Marseille le 4 septembre 1896, pour être précis. Il le signale encore, mais c'est de peu d'intérêt, une idée de derrière la tête, une thèse périmée. En revanche, il est une chose qu'il sait, qui surnage dans ce naufrage, une vérité calme et limpide à laquelle on sent, lorsqu'il l'énonce, qu'il peut, pour un instant au moins, s'arrimer. Je suis un grand poète et c'est tout. En cet hiver 45, voilà 8 ans déjà qu'Artaud est interné. Il est passé par l'asile de Sotteville-le-Rouen, par Sainte-Anne, où Lacan l'a jugé fixé dans son délire, incapable d'écrire à jamais, par Villevrat, où il a été transféré du quartier des agités à celui des épileptiques, du quartier des épileptiques à celui des gâteux, du quartier des gâteux à celui des indésirables. À Rodez, où il arrive en février 43, à demi-mort de faim, et vêtu comme un clochard, il parle de Dieu avec le docteur Latrémolière, de poésie avec le docteur Ferdière. Il traduit Lewis Carroll, fait des génuflexions dans la cathédrale, crache et se signe sur le passage des femmes enceintes. Il subit aussi 1200 électrochocs en 3 ans. Dès ses séances, il sort brisé, plus d'os, ni de contour, un corps sans nerfs, une tête sans sang, un état flaque. Pendant des semaines, il se voit à la poursuite de son être comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui.
mais il recommence à écrire, à dessiner, à noircir des cahiers. Le 10 décembre 1945, au lendemain de la lettre d'Artaud à Henri Parizeau, mon père naissait. J'ignore de quand date sa première hospitalisation. J'aurais pu en retrouver trace, peut-être, dans l'un de ses carnets. Agenda de cuir noir, cahier d'écolier, livre de brouillon, bloc en tête d'hôtel, feuilles volantes, notes griffonnées au revers d'un cours, de quoi remplir des cartons entiers. On pourrait, sur certains, poser les noms des hôpitaux, des maisons de santé où il a séjourné. Cahier de la Roseraie, cahier de la Verrière, cahier d'Épinay. Mon père n'était pas un grand poète, et c'est tout. Il n'a pas inscrit sa souffrance en beauté et en puissance, sa folie en génie, inventé une langue de sacre et de massacre. J'ai lu quelques-uns de ses cahiers. Je les ai oubliés. Tout ce que je sais, c'est que chaque jour de sa vie, ou presque, il a écrit. Chaque matin, chaque soir, il s'est assis à son bureau. Il a allumé une palma ou une craven A dans la cendre où troue les feuillets, et il a tenté de recomposer sa vie. Pas de récits, sinon de rêves, mais des contes, des bilans, des listes de choses à faire. Téléphoner aux filles, payer loyer, tenir jusqu'à demain. Et le lendemain, il règle, et en marge, il écrit « Fait ». Et surtout, sans cesse recommencer, des schémas. Ligne droite partagée en segments, segments de bonheur, segments de malheur, segments avec et sans alcool, avec et sans hospitalisation, fléchés de dates et de noms propres, puis, à mesure, de moins en moins de lignes droites, mais des séries de triangles inversés, gouffres et sommets, crêtes et failles, qui dessinent, sur le papier quadrillé, la carte de sa mélancolie. De la vie de mon père, je conserve le relief intérieur, le relevé sismographique. Pas plus que lui, je ne saurais, ni ne voudrais, la raconter, parcourir ses noms, ses dates, qui composent l'histoire à l'ombre de laquelle j'ai grandi. Je peux en suivre du doigt la géographie accidentée, la géométrie inexacte. Je sais qu'elle dessine la part d'ombre, le négatif de ma vie. Qu'aux failles correspondent ses absences, et que, même à distance, j'y étais avec lui engouffré. Pas plus que lui, je ne sais qui il était. Tout ce que je sais, c'est que chaque matin, chaque soir, quand il ouvrait ses cahiers, c'était cela qu'il cherchait. Ces lignes innombrables, ces caractères élégants, réguliers, même dans les pires moments, tissent le filet où il cherchait à s'attraper, tendent la toile dont il était le centre absent. C'était cela qu'il cherchait, se saisir, s'attraper, se mettre la main en collet. On raconte, je ne sais plus où, cette histoire du golem qui, parce que chaque matin il oubliait où étaient ses vêtements, décide un soir de noter leur emplacement. Au réveil, il parvient enfin à remettre la main sur chacun, passe pantalon, veste et chapeau, mais soudain il s'aperçoit qu'il lui manque encore quelque chose. Moi-même, se demande-t-il soudain, où me suis-je laissé? Où suis-je donc? Voilà, je crois, ce que faisait mon père chaque matin. Il attrapait cigarettes, stylos et cahiers, et il se demandait où il s'était laissé. Il tendait la main, saisissait des défroques, des costumes rapiécés, des manteaux d'arlequin. Sur la page blanche surgissaient les masques de sa scène intérieure, un peuple nombreux, bariolé, titubant, le fils prodigue et l'amoureux éconduit, le clown et le pirate, le flic et le truand, le moine et le débauché, le bourgeois et le clochard, le sage et le fou. Mais lui, dans tout cela, il n'y était pas. Parfois aussi, il tentait un portrait. Il énumérait ses qualités, nom, prénom, date de naissance, profession, signe particulier, puis il s'arrêtait net, comme s'il n'y croyait pas. Lui-même, où s'était-il laissé? Où était-il donc? 'Cause that desert inside me is all thirst and pain. I, grec. Voici que les lettres s'épuisent. Cet ordre sans signification, j'ai tenté d'en serrer son désordre et le mien.
d'aplanir nos souvenirs, d'épeler balbutiant de ce savoir très ancien que je n'ai pas rejoint, comme si ces mots, ces phrases, écrites sous l'impulsion et la nécessité d'un autre ordre, le sien, d'une injonction ou d'une promesse à romancer, allaient, sitôt achevées, se disloquer, rendues à leurs éléments premiers, des lettres éparses, déliées, une constellation de lettres explosées sur le ciel de l'oubli, de l'impossible coïncidence, de l'impossible fidélité, et moi comme elle, in two pieces, inarticulée, ramenée à l'âge muet avant le béaba de la mémoire. Tant d'autres récits sont possibles, d'autres ordres, d'autres codes ou cryptés, ce que je ne sais toujours pas déchiffrer. Ce texte qu'il a laissé demeure dans la nécessité des voix qui se sont tues, et il me semble que je pourrais indéfiniment le reparcourir, indéfiniment le recomposer. Que se passerait-il si je le refermais? Que se passera-t-il quand je le refermerai pour le ranger, à faire classer, avec ses journaux et ses carnets? Ce texte, où sa voix résonne encore, et où brille affaibli le soleil noir de sa mélancolie. Ce texte, qu'il aurait tant voulu publier, redevenu lettre morte. Quel vide, alors? Et combien de livres faudra-t-il écrire? Combien d'histoires romancées pour le combler ou le rejoindre? Ce vide, surgit il y a 3 ans, très exactement, aujourd'hui. Ce vide, j'ai su aussitôt que j'allais y jeter des mots, les siens, puis les miens, puis les deux ensemble mêlés, un pont fragile, suspendu très haut sur l'absence et qui m'y reconduirait, un pont tressé de nos mémoires bifurquées, né pourtant de cet âge ancien et balbutiant où nos voix étaient assemblées, telles les deux fourches du Y, jaillies d'un même tronc, le Y, qui porte dans son nom une langue morte, le Y, symbole de l'inconnu, de ce qui, de lui, comme de moi, me demeurera à jamais étranger, de ce qu'aucun livre, nul alphabet à coups de dés recomposés ne peut nommer. Cette lettre, que les Grecs utilisaient pour désigner le symbolon, les deux fragments d'un anneau brisé par un pacte d'amitié, et qui, ajusté, valait reconnaissance. Z, comme Zelig. C'est ce petit homme que l'on voit dans la foule, en fuite, toujours en fuite, et qui emporte les couleurs. Chemise brune ce jour-là, parmi les chemises brunes, nazi parmi les nazis. Il a aussi été noir dans un orchestre de jazz, indien derrière les barreaux d'une réserve, vert roux dans un pub irlandais, un rabbin avec les rabbins, grec à la sortie d'une taverne. J'ai vu ce film quand j'étais enfant. Je me souvenais de l'homme caméléon, j'avais oublié que Zelig est fou. Sur l'estrade, face à la foule qui l'acclame après l'avoir conspué, Goody Allen s'écrie « Voilà ce qu'on peut faire quand on est totalement psychotique !» J'avais oublié les scènes à l'HP, les camisoles et les blouses blanches, la psychiatre jouée par Mia Farrow, et le sens de cette folie, être comme les autres pour s'en faire aimer. Je ne me souvenais que des fuites et des métamorphoses, de cette bigarrure en noir et blanc, cet homme sans cesse échappé à lui-même, comme si la folie n'en était pas la clé, pas plus peut-être qu'elle n'est celle de mon père, ni de ce portrait, cet impossible portrait que chaque jour de sa vie il a tenté, qu'à mon jour, à mon tour, j'ai porté pour différer sa mort, ce portrait en 26 angles et au centre absent, ce portrait en 26 autres et au moi échappé. Mon père n'était pas comme les autres, il était les autres. Il ne voulait pas s'en faire aimer, il cherchait en lui celui qu'il pourrait aimer. Tous l'habitaient simultanément. Il racontait cette blague, comment tuer un caméléon, en le posant sur un tissu écossais. Le mouton noir est le Napoléon du Grand Nord. Le père jésuite est James Bond, le flic est le traître, le fou est le sage. Tous logés de force en un seul corps qui, par eux, a souffert 1000 morts et vécu autant de vies, est réuni en une seule présence, désormais anéantie. Cette troupe de masques, une dernière fois, j'en ai soufflé l'appel dans ma corne de mouton, mais lui manque encore. La présence qui les réunissait, les corps qu'ils habitaient, la voix, le rire, le regard qui les animait, tout cela que je ne peux
rappelé ni épelé, dont aucun mot ne porte trace, mais seulement, fixe et froide, les photos que je ne parviens toujours pas à regarder. Il a refusé la tombe, la pierre, le masque des gisants et l'ultime visage. Il a préféré les cendres à tout vent dispersé. Peut-être a-t-il trouvé dans le désert blanc de la mort ce que depuis toujours il cherchait, le droit, enfin, de ne plus être quelqu'un.